bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la saison 1 de Death Note UFC. On est en compagnie de 42 joueurs. On fera le tour du team un peu plus tard. Je vais tout d'abord expliquer le scénario Death Note, qu'est-ce que c'est. Est-ce que Malfa, tu peux te mettre rapidement s'il te plaît? Ouais. Je vais expliquer le scénario Death Note, qu'est-ce que c'est. Au bout de 30 minutes de jeu, deux rôles seront répartis. Tout d'abord, il y aura le rôle de Kira qui, en faisant la commande slash K-Claim, pourra avoir un Death Note. Elle pourra donc, dans un rayon de 15 blocs, sélectionner le joueur qui va recevoir un compte à rebours de 40 secondes avant de mourir. Si dans ces 40 secondes, il arrive à tuer Kira, le compte à rebours est annulé et le joueur ne meurt pas. Dans le cas contraire, la game est finie pour lui. Les Kira ont un chat interne entre elles. Elles peuvent faire slash K pour parler, parler entre elles. Les Kira, elles peuvent utiliser leur Death Note que sur leur team quand elles ne sont pas reveal. Et quand elles sont reveal, elles peuvent utiliser leur Death Note sur tous les joueurs de la partie. Pour information, le reveal donne une pomme d'or. Voilà. Excusez-moi. Pour le deuxième rôle. Oui, aussi lapin. C'est pas juste la personne qui est sélectionnée. Et pour le deuxième rôle, c'est le rôle de L. L qui est en fait le protecteur de la team, le détective. Pour information, L, en faisant la commande slash K claim, il va recevoir une OU en or, enchante, qui va, en gros, s'il tape la bonne personne, la bonne personne qui est Kira, elle se fera one shot. Dans le cas contraire, s'il tape la mauvaise personne, c'est lui qui se fait one shot. Pour information, L voit, tous les L de la game voient le chat des Kira. Donc c'est écrit Kira bleu, Kira rouge. Et voilà, donc les Kira, faites attention de ne pas vous griller dans le chat. Donc là pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de questions par rapport au Death Note. Je pense que j'ai tout dit. Pour la config de la game, donc le PVP et les annonces des rôles sont au bout de 30 minutes de jeu. Oui, si les Kira peuvent utiliser leur Death Note qu'une fois par épisode, pour information. Pour la config de la game, PVP et annonce des rôles au bout de 30 minutes, donc c'est mi-épisode 2. La réduction est épisode 6, vous avez droit à maximum 3 armures en diams sur vous, donc pas de full diams, n'importe quelle partie. L'épée en diams ne compte pas comme une partie en diamant. Vous pouvez très bien faire. Fire Aspect et Flame, on va quand même autoriser, mais juste pour les bouquins. Bonne chance. Voilà. Sinon, par les enchantes, par tard d'enchantes, non. Il y a les chevaux. J'ai dit Malfa. Je l'ai dit. Tout type de minage, c'est autorisé, sauf les poke. Vous évitez les poke hall et X-ray, bien sûr, interdit. Non, As de pique, au bout de 30 minutes de jeu, donc c'est à la moitié de l'épisode 2. Et sinon, alors bien sûr, le slash tail interdit, la rod est autorisée, et évitez de faire l'histoire. C'est quoi la troisième lettre du message pour griller les joueurs? Est-ce que vous avez pour les potions, il y a pas de les potions de poison et régénération sont interdites. Il y a pas de potions level 2 et les potions de force en vrai ne servent vraiment à rien. Elles ajoutent à peine, elles ajoutent pas beaucoup d'avantages. Ça va être réglé bientôt. Sinon, il y a les potions de heal et tout, si vous trouvez des pastèques, bon voilà. Et sinon, il y a l'XP est pas nerfé pour info. Et il y a l'absorption. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Cross team. Après, au niveau stratégie, si on imagine, il reste 4 Kira en vie qui sont reveal, et vous êtes plus que des joueurs tout seuls, des teams de 2, vous avez le droit de faire du no-kill. Pas du cross team, du no-kill, c'est pas la même chose. Non, il n'y a pas de Golden Edge, Max. C'est pas la même chose, no-kill et... Et cross team, donc c'est stratégique, vous pouvez essayer de focus les Kira. Voilà. Oui, gap au kill, sinon. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, rapide tour des teams. Alors, vous n'êtes pas en team, du coup je vais me servir de la bannière. On a la première essayez team. Essayez d'être des gentlemen aussi. Hein. Oui, bah voilà. Ça fait pas de mal. Alors, pas de ghost kill, bref. C'est classique voilà. Quoi, en RR. C'est Strox, retourne dans ta team. Donc pour la team, nous avons Guy, nous avons Drakas, nous avons Notitou, Bombi, Lapin, Jazur et As de Pique. Pour les rouges, nous avons Maximilion, Chobax, Image, Foudre, Arcunir, Totei et Strox qui faudrait qu'il rejoigne sa team. C'est un peu un attardé cet enfant. Pour les sillons, on a Steven, Shaming, Strix, je rigole, Unger, Shin, Delta et Valas. Pour les jaunes, on a Flygon, Timothée, Chasseur, Chazin, moi-même, Coco, Drico et Aguillo. Pour les verts, on a Hiro, BZH, Arcalex, Psycho, Flo Floino, Ota et Malfanax. Pour les oranges, nous avons Kala, Alpharis, Dream Wars, Draxio, Seigneur, Pixie et Sephiros. Voilà. Est-ce que vous êtes tous prêts? Puis on a aussi God, en mode 2.
Et nous avons, oui, Gold en modo. on remercie Elity pour l'host du serveur. Je vous remercie à tous d'être venus, d'avoir répondu. Et on remercie aussi Tenty qui nous fera l'intro. Et voilà. Voyez Walou. Et Malfa et Hiro aussi pour m'aider pour l'organisation. Ah. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout. On va pouvoir start. Magique.